Grand Corps Malade, il a sorti vendredi son 7e album. Il a une super carrière, hein. Il a eu 2 victoires de la musique, 3 nominations au César aussi, puisqu'il est présent à la fois à la radio et au cinéma. C'est un artiste qu'on aime beaucoup. Et c'est un grand garçon de 42 ans qui n'a pas eu peur du mouvement MeToo. Lui, il a trouvé ça même plutôt réjouissant. Il a décidé donc de sortir un album dédié aux femmes. Ça s'appelle Mesdames, avec plein de duos, avec notamment Julie Camille Berthollet, Louane, ou encore le tube mélancolique de l'été, Je t'aime, avec Camille Lelouch. Ouais. Je t'aime du plus fort que je peux. Elle chante vachement bien. Hein. Et elle chante super bien, oui, Camille Lelouch, vraiment. Et vous avez vraiment l'oreille partout. Hein. Intense. Non, mais je la trouve vraiment. Je comprends que ça marche. Je comprends vraiment que ça touche les gens, etc. Et je trouve que elle. Alors moi, je la connaissais comme humoriste, mais je trouve qu'elle a une sacrée voix, quoi. Ouais, c'est une jolie surprise. Ah, ouais, alors, au rayon des surprises, pour vous tenter, vous donner envie d'aller écouter ce nouvel album de Grand Corps Malade, je donne mon top 3 des duos. Le premier, c'est vraiment une divine surprise. C'est Laura Smet autour d'une histoire de drague en soirée. Ah oui. Il y avait trop de monde ce soir-là, j'avais la flemme de parler. Et pour poser mon verre, je ne savais pas où aller. Alors mon cocktail à la main, j'ai rejoint la piste de danse. J'ai fait exprès de frôler cet homme, l'ami lointain d'une connaissance. Depuis qu'il est arrivé, il me regardait fixement. Je faisais mine de ne pas le voir, ça m'amusait énormément. Ouais. Laura Smet, donc, avec cette voix, vraiment... Ça me rappelle Chacun fait ce qui lui plaît, version féminine. Mmh. Non, il raconte sa nuit un peu fofolle. Ouais. Une jeune femme qui s'appelle Suzanne et qui a été couronnée révélation de l'année aux dernières victoires de la musique. Et là, avec Grand Corps Malade, il s'imagine échanger les rôles homme-femme pendant 24 heures. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber. Si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir peur. Mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir. Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir. Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi. Et puis, il y a sur ce disque de Grand Corps Malade un duo sur l'amour qu'on peut porter à sa grande sœur, porté par Véronique Sanson. Sans avoir l'air, elle est forte en douceur. Plus qu'un repère, sans avoir l'air, plus qu'un frère, une sœur. On a grandi dans la même chambre et on a écouté les mêmes histoires. Quand mes plus lointains souvenirs s'assemblent, je croise forcément son regard. Grand Corps Malade, ça s'appelle Mesdames et c'est sorti vendredi. Merci beaucoup, Émilie. C'est